Je parlais avec Clarence Renoir matin, qui lui-même t'étendait le discours au chef d'État et qui gagnait une réaction par rapport à discours. Hein. Clarence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour l'autre membre de l'équipe Matin et Grand Boulevard là, et bonjour à tout auditeur, toute auditrice de Caraïbes. Oui, autant des discours en même temps avec un pile monde. C'est vrai, le bail, non, le côté un pile monde n'a pas dormi. Mais comme dirigeant politique et comme journaliste, et de l'autre monde qui est intéressé, obligé de t'étendre. Donc, on tirait qui ça comme conclusion de discours au chef de l'État, et après plus passer un mois qui n'a pas parlé pendant que nous sommes en situation de crise socio-économique. Oui, alors, le guerrier du seul, moi, ils font un jeu de mots. Vous me commencez, moi, je dis trop tard par rapport à le discours qui diffusait et trop peu par rapport à ça qu'annoncé, qu'on formule qui dit trop tard, trop peu. Et bon, moi, je pense que le président doit parler déjà depuis longtemps. Un président de la République qui est soucieux de peuple, qui besoin d'institutions de marché dans le pays, doit réagir depuis longtemps. Pour ne pas dire, il doit agir même depuis longtemps. Il va besoin de quitter tout dégât ça au fin fait dans la société. Hein. Et lorsque dégât ça au fait, un discours, c'est peu de choses pour arriver à changer le cours de l'histoire. Maintenant, il faut que le président pose des actes concrets. Et actes concrets que le président doit poser, ce n'est pas des demi-actes, demi-mesures que le bras le prend, pour le bras le dire, le bras le forme en commission, et puis dans la commission, il va le ses amis qui l'a dans la cour, c'est mon qui est proche qui l'a dans. Faut qu'il fait des actions concrètes qui montrent que il prend dimension crise là et il prend disposition et décision pour le changer, ça doit changer, pour le corriger, ça doit corriger. Mais encore une fois, moi, j'ai dit, président, pour qu'il soit obligé, réagit, mais pas plutôt lui agit, c'est-à-dire être proactif. Son président que me dérange, j'ai chance de rencontrer et moi, je crois qu'il y a un pile bagaille que l'a pas annoncé là, que me dit déjà il y a 6 mois de ça, et si on était c'est moi seulement que tu es pas président des conseils, il y a un pile qui va t'arriver dans le pays. Et dans tout ça, guerrier Dieu seul m'a envie de dire, il y a un bagage qui est nécessaire pour moi-même, Clarence, que nous avons répété dans le pays d'Haïti, nous avons besoin d'un nécessaire dialogue. Le dialogue est une nécessité. Nous devons connaître entre Haïtiens, faut nous parler, nous obliger à parler, quel que soit temps. Quelles que soient les circonstances, là, on connaît aujourd'hui le discours à tenir, c'est pas le discours du dialogue. Il y a des gens jusqu'au boutiste qui remènent un pays dans bon danger, qui pensaient aux autres gens. Mais moi-même, moi pensais, quel que soit le temps, nous-mêmes, Haïtiens, pour nous prendre le temps, pour nous chiter à parler, c'est tout un programme, dialogue là. C'est tout un programme que lié pour nous dialoguer sous misère, peuple haïtien, sous misère, monde qui n'a bidon vilio, sous insécurité qui est dans la capitale là, sous abandon paysan, yo femme yo qui ont négligé, yo méprisé, qui a passé misère, qui n'a pas joué un crédit, puis au travail. Sous petit monde qui n'a pas à l'école, 2 semaines passées l'école ouvrie pour petit monde, pas à l'école pour étudier, pas à aller dans l'université, pour nous former une nouvelle génération de monde, eh bien, nous besoin de dialoguer sous toutes questions ça, yo, évidemment. Sans nous pas quitter derrière question politique, qui est question de crise majeure que le pays a traversée. Clarence Parce que nous besoin Renoir. changer. Pardon? Oui, donc si le dialogue ça n'est pas possible ailleurs, je dis ah, dans la situation y est là, crise là aggravée, et entendez les premières réactions qui voyaient rejeter appel au dialogue ça, est-ce que vous pensez dialogue là toujours possible? Vous connaissez, Pierre Winel, moi je pensais que dialogue pas un temps. Dialogue, c'est un bagage qui est intemporel. Ou pas qu'à 10 jours, dire, m'a parlé demain matin, m'a pas parlé. Quelles que soient les circonstances, que le président Jovenel Moïse allait, que le pas allait, Haïti. Haïti a besoin de parler. Faut que nous parlions entre nous-mêmes. Nous pas qu'à pas parler parce que, quand on me dit, parler à son nécessité que lui, excusez-moi, dans un crime d'APC, d'identifier sa guerre dans la caille, mais pour moi-même, dialogue là, son nécessité que lui. Et nous fait trop déjà, nous fait trop dégâts dans le pays ça déjà. Nous passons toute qualité régime politique, déchoucage, insurrection, guerre civile, nous passons occupation, etc. Nous passons presque mis sous tutelle. Mais nous ne pouvons jamais essayer un vrai dialogue. Mais, mon fils, dit le président Jovenel, la crise que lui et Jovenel Jodia là, faut lui changer de comportement définitivement, faut qu'il mette une dose et en pile dose de sincérité dans sa labdio, pour
pour que le monde voit que nous pas capable nous-mêmes n'a fait hypocrisie à haïtien n'a fait mahonnage on voulait parler m'pas voulait parler m'a fait dialogue m'pas fait dialogue moi voulais négocier même pas négocier vrai. Il faut que y ait des gestes concrets qui montrent volonté réelle pour que nous sortions dans cette année là pour ne pas quitter pays à craser. Et si nous pas arriver faire dialogue là, comment on prévoit la situation ça après elle finit, voilà nous environ deux semaines depuis pays a paralysé en 8 ans et paralysé qui était lié à problème gaz là. Je dis à grand appel au dialogue qui lançait secteur démocratique populaire là, lui-même lui rejeté. Et c'est ça qui peut-être est capable de permettre que nous sortions dans la situation où il est là. Et comment penser que ça pourrait le finir? Par contre, qui j'ai pour dialogue la fête, je ne pas prévoir qui j'ai pour le finir, mais ça me supposait qu'arriver nous comme peuple. C'est que si nous pas prenons résolution pour nous parler entre nous-mêmes, pour nous joindre une solution à problème nous entre nous-mêmes, c'est pas les États-Unis qui va résoudre le problème pour nous, c'est pas quoi au groupe qui va résoudre le problème pour nous, c'est pas la communauté internationale qui va résoudre le problème pour nous, c'est pas la Russie, on a dit des mondes, tu vas bien demander que la Russie vienne là, c'est pas la Russie qui va résoudre le problème Haïti, ce côté Haïti, y a là. C'est Haïtien avec Haïtien qui va résoudre le problème Haïti. Donc, quelle que soit la formule que ça capable prendre, il faut que nous arrivions dans une dimension ça pour nous faire que Haïtien avec Haïtien chita enfin yo parler sans hypocrisie, sans mahonnage pour nous résoudre le problème. Mm-hmm. Oui, donc chita parler ou quoi ça les nécessaires et gagner. Si vous permettez, moi ajoute un bagage et guerrier. Et alors chaque fois moi dit chita parler, il y a des monde qui pensent que ah il y a une naïveté, il y a une légèreté là-dedans, mais monde ça qui ça vous proposer, c'est l'affrontement. C'est la guerre civile, c'est guerre fratricide entre Haïtiens et Haïtiens qui pourraient gourmer entre eux-mêmes avec Zama la main pour nous tuer une autre. Moi, pas quoi c'est ça qui est bon pour nous-mêmes. Donc, moi, quoi, forcément, ce dialogue-là. Maintenant, je ne parle pas de dialogue de manière naïve, comme quoi, en nous parler pour nous parler. Il faut nous dire qui ça nous va le mettre en dehors, qui contenu dialogue-là pour le gagner, qui conditionne à poser pour dialogue-là réaliser, et qui ça cap sortir dans le dialogue-là, comment ça cap sortir pour le respecter à la lettre. Par tout le monde qui signe dialogue, dans le dialogue, ça accord que nous jouons pour nous vivre ensemble. Non. Accord que nous jouons pour nous capables de suspendre nous avec l'autre. Et mais ça, il peut prendre des engagements fermes qui doivent peut-être bien sous lui. Nous sommes capables de dire des gens qui peuvent veiller à ce que le dialogue, ça, fruit le produit, ils respectent. Tant que ça qu'on fait dans la communauté internationale, là, lorsque des pays en crise, il y a un comité de suivi qui peut regarder, qui sait, OK, qui engagement tu gagnes? Qui est-ce qui respecte l'engagement, sous pas respecter le qui sanction individuelle qu'a pris en compte nous-mêmes pour que nous avancions. Parce que nous pas capable quitter une société à dépérir, genre Haïti à dépérir. Mes amis, pas besoin de ramener chiffres encore pour nous, même d'aller dire 2-3 chiffres rapidement. Il y a deux seuls, Pierre-Runel René et tout l'autre monde qui l'a eu. Est-ce qu'on imagine que nous, notre pays, si tout le bagage marchait normalement, tant que Haïti est un pays normal, Jovenel Moïse était le 6e président de la République pour nous connaître. Nous passons 20 déjà. Nous passons 22 premiers ministres, mais nous besoin de 23e ou 24e. Nous passons plus de 20 conseils électoraux déjà. Nous sommes donc nous seuls ou bien deux. Donc, ça, c'est un problème. Ça, c'est sur le plan institutionnel, politique. Mais sur le plan économique, je veux dire, on goûte 95 gouttes, peut-être plus pour un dollar américain. L'école n'est pas capable de fonctionner dans le pays. Commerce pas capable de fonctionner, petit marchand qui besoin de vivre de petit commerce informel, au diable, saute dans la machine, transporter. Non. Président Jovenel, lui qui était 3 crises arrivées sous gouvernement, là, sous administration, là. Il était gagné longtemps déjà pour le résoudre crise, ça ne va pas résoudre. Mais moi-même, Clarence Renoir, je ne crois pas que y a des gens qui gagnent monopole de la vertu, comme Dakadou, c'est moi qui bon à son l'autre. Nous tous responsables de chaque pays d'Haïti, là. Nous tous responsables. Ça va passer dans le pays là. Donc c'est nous tous responsables, c'est nous tous qui pouvons réparer l'ensemble tout, sans garder le monde pour dire ou même ou c'est un tel ou va là-dedans, ou même ou c'est un tel ou va là-dedans. Évidemment, la justice a bien pour régler contre lui avec le monde qui fait corruption, le monde qui fait détournement de fonds, le monde qui fait crime de sang, etc. Parce que ça, il faut que résoudre dans le pays là tout, pour nous tracer des exemples définitifs pour que nous pas ériger une société qui vive sur la violence et sur la corruption. Merci un peu, le Clarence Renoir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on peut continuer et prendre réaction au Pierre Renel sous déclaration ou bien adresse à la nation, président
République là, il matin, 2 heures du matin, sous situation de crise socio-économique paysan qu'on est là. Donc, président Jovenel Moïse, qui, je n'en ai pas continué à rappeler, il parlait de formation au gouvernement d'union nationale et mandé yon trêve. Et c'est nous beaucoup de jeunes monde, après le point Frank Imaginaire, nos jeunes ont l'autre. Oui, nos jeunes Jean Audelaire, Jean-Baptiste, qui est lui-même, c'est porte-parole en structure dans le mouvement jeunesse, les jeunesse résistance, lui-même, qui par rapport à message à la nation, chef l'État, voulait placer 2 mots. Jean Audelaire, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour guerrier, bonjour Dieu seul. Donc c'est un plaisir matin pour que nous sommes capables de faire et voir l'instant passé dans la conjoncture actuelle et de jour en jour, insécurité à taille bandade et ma foi que nous constatons dans le sens panneau, dans le pays qui peut être empêché des jeunes et évacuer des occupations dans le pays. Donc pour moi-même, et selon Jean, nous attendons que tout le monde attendait, et suite avec un peu d'intervention qui est faite dans Boulevard Lamartine, nous pensons que le président fait un dépassement de soi et lui empêcher que ensemble des histoires qu'on a habitué à répéter dans le pays, hein, de en sens de monde qui kembe au pouvoir sans qu'il y ait d'accord tant de monde qui bon côté, nous pensons que le président lui-même lui ouvre au dialogue, les logements ben, ensemble de monde et lui constater d'après toutes les réflexions que c'est dialogue qui a mis le pays à et non l'autre position après toute histoire que nous tous connaissons, tout président passé dans le pays, il a toujours fait en quelque sorte qu'il a refusé Chita tant d'écrits de population. Et je dis à lui prouver que si on moun qui là pour le temps des moun qui parlent dans ce que qui pas dans sens li, et il prêt pour que lui fait un gouvernement d'ouverture et pas oublier. Chaque jour, nous n'avons pas qu'à une histoire qui est employée, pas qu'à toucher, tout le monde pas qu'à l'école, et nous-mêmes, dans le Caraïbe, c'est nous-mêmes qui pis mal. Et là, les républiques voisines, nous pensons qu'ils ouvrent l'école avant nous, et je dis à nous, nous sommes environ 2 semaines que l'école pas qu'à ouvrir. Donc, faut que les gens qui là, ils pensent que c'est les gens et tout, ils ont des propres familles, après, ils ne sont pas là pour une éternité. Les gens finissent par se dire, ils ont 40, 50, 60 ans, mais c'est les gens 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est eux-mêmes qui vont faire la relève. Que un pays n'est pas capable de fonctionner sans qu'il n'y ait pas de réserve. Et réserve là, il doit baser sur ressources humaines, des jeunes qui doivent faire partie des générations montantes dans le pays. Donc, nous, tout pas capable de barrer la jeunesse. Après, c'est eux. Donc, nous-mêmes, là, nous prenons position nous, pour nous dire que il est le temps pour que la jeunesse lui-même ne prenne relève pays. Hein, et acteurs politiques actifs là capable d'écraser briser dans pays il faut que yo même yo capable prendre position tout pour que bon gouvernement et gouvernement qui stable là yo capable même si t'as pour planifier par Jovenel Moïse. Jovenel pas jamais dit qu'il pas démissionner, il pas jamais dit là tout l'a prêté pour tout 5 ans. Mais lui là il demande des dialogues, mais dans dialogue là tout bagage faut venir avec un bagage, il faut qu'on capable faire proposition et nous tout est passé l'école, nous connaissons les circonstances, nous connaissons conjoncture. Donc nous pensons que pays à lui doué pour le souffle. Après tant de misère, ça, après plus de 2 semaines, nous construisons en Donkaï, nous fermons, pas de monde qui a sorti, désordre, total capital, parlement lui abandonné des propositions, des positions lui. Nous pensons que l'État doué que y a l'autre sens pour que pays à lui même pour l'autre dimension, dans le dialogue, dans, et on sait des structures pour appliquer la loi, Jean que l'État doué. D'accord. Merci en pile, hein, puisque matin là, en pile, moun obligé dit 2 mots sur situation pays. Hein. Chaque moun y a un mot pour yon placer sous situation. Hein. Bon, nous parler avec l'ancien sénateur Maurice Jean-Charles, dirigeant parti Petite Dessalines. Maurice Jean-Charles, bonjour. Gézessel, bonjour. Gézessel, bonjour. C'est pas ici, hein. Quel moun qui est dans le pays, hein? Quel moun qui est à l'écran pays, hein? Matin, vraiment content pour nous saluer. Gaël Dessel, Pierre Renel, nous te prenons le temps pour nous donner des discours de Jovenel Moïse. Dans le discours, on parlait des pays qui crasaient, c'est ça qui fait lui parler dans les Nations Unies. Lui parlait dans le deuxième temps toute institution qui crasait. Lui parlait tout, lui dit qu'il faut gagner. Il y a un accord politique. Mais attention, Jovenel Moïse,
Depuis là où tu as 4 mois, nous te dénoncé 17 premiers faux pas où tu fait. Yo, nous te demandé pour une correction. Dans le deuxième temps, on prend tout comme pays en bas, monsieur Bourgeois. Nous relâmons pour ne pas te dire rien, au contraire, de continuer. Dans le troisième temps, pour quitter toujours choisi pour. Donc, le premier ministre qui là, c'est la chambre députée qui a choisi, mon cap de la chambre députée, avec un bourgeois dans le pays. Quatrième problème, le peuple Mando cherche l'argent comme fait au Caraïbe ou pas jamais faire. Avertissement d'eau là, ou pas attendre. Avertissement gaz, ou pas attendre. Et puis, je dis, dans qui ça pays entouré là, pays entouré le tête en bas, pas de monde qui a sorti. Seul bagaille, nous-mêmes, nous n'avons pas d'accord politique, peuple haïtien. Deuxièmement, nous voulons payer un point note. Peuple haïtien, nous te dit, nous, une révolution qui peut le faire en d'un pays. Et même les gens qui sont loin, ils sont capables de toute institution pays écrasée. Gagner un mandat à la Chambre des députés qui finit, détacher un mandat qui finit, mandat magistrat fini, pas gagner élection, n'a pas marché vers l'évolution des haïtiens. C'est ça que fait. Nous disons les haïtiens, hein? Pas faire même erreur nous avons fait en 1986, l'homme t'a voulu dire aller. Où est-ce que nous avons fait? C'est comme guerre nous avons fait. Nous déchouquer attaché yo, nous déchouquer Makout yo, qui c'est mon classe moyenne yo qui était tonton Makout, et puis nous quitter système en place, nous quitter une famille qui prend pays en otage yo, et puis nous quitter yo. M'a regardé la rien, moi grand pile mon classe moyenne qui victime, grand pile mon petit peuple qui victime, même gros auto boué. Quatre gros autos boués qui te baillent bateau du riz, bateau farine, bateau tol. Moi, nous pouvons dire un yé, peuple haïtien. Peuple haïtien, ramasse le caractère nous. Sénateur Maurice Jean-Charles, pourquoi dire un yé, ça veut dire qui ça? Gaye de sel, créole parler, créole comprendre. En pile fois l'en parler, peuple haïtien comprendre. C'est le samedi. Nous finirons c'est tout l'argent payant. C'est ça qui là, c'est ça qui diable pas droit ou bien à gauche. Vous pensez que c'est concerné qu'à nous capables de chambarder le système, non? Écoutez. Dans sa robe dit là. Ok, ok. Écoutez, Gaye Dessel. Nous nous dit, c'est pas ici, hein? Attention. Mais comment vous battez là, orienté dans le pays? Son révolution qu'a fait, nous-mêmes, l'histoire qu'on fait back. Même si les politiques ont croisé les pieds, yo chita la kayo, peuple haïtien prend destin en main. C'est ça que fait. Nous même des leaders, pas trop. Pour parler, si le peuple a agi, nous même nous sommes directives. C'est ça que fait, nous disons paysans, attention pour ce qui est passé en 1986, nous déchouquer attachés. Nous déchouquons tout le monde qui était mon casse moyenne, et puis qu'on y a, nous avons quitté le système en place, et puis après deux ans, trois ans, nous avons tout même pire sous nous encore. Si nous avons frappé, bien les haïtiens. Merci beaucoup. Radio Caraïbes. Merci en pile, sénateur Maurice Jean-Charles du Jean-Parti. Petite Dessaline, n'a pas continué recevoir quelques monde n'a dit mon yo en tout cas difficile pour que nous recevoir tout le monde en même temps hein. D'ailleurs le n'a fait n'a recevoir appel yo, les difficile pour nous prendre tout appel yo en même temps hein sur téléphone là. Et donc gain des monde nous pas capable prendre parce que soit pas qu'un numéro ou bien difficile pour nous prendre tout le monde en même temps hein, sur téléphone non pendant que ne pas parler avec eux hors micro donc c'est pendant m'a fait appel pendant m'a recevoir mon après l'aime difficile pour que moi recevoir appel là.
Donc, bon, nous allons regarder sinon, à parler avec citoyen ça, qui c'est Pierre-Antoine, qui c'est politologue, qui lui-même était ancien conseiller président Jovenel Moïse, ancien conseiller tout président Michel Martelly. Voilà, difficile pour gérer téléphone le matin là, avec appel qui a monté. Donc, bon, moi, regardez rapidement là, si nous ouais et information ça avant même que me prend Pierre-Antoine qui lui-même Pierre-Antoine Louis qui c'est politologue et diplomate, il était ancien conseiller spécial président Michel Martelly et Jovenel Moïse, il était démissionné 25 février passé an, et il voulait placer un mot par rapport à situation de crise n'a vive là par rapport à discours président Jovenel Moïse à matin an. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bonjour, Monsieur Duchel. Oui, vous avez voulu placer un mot par rapport à discours président matin, non? Effectivement. Monsieur Duchel, situation au pays est effectivement grave, tout le monde comprend ça. On va comprendre que la situation actuelle là, bon, côté tout le monde est bien content si hier, vers 7 h du soir, 8 h du soir, le président a parlé. Pour demander tout le monde, tout Haïtien, dans l'esprit patriotique, pour nous faire un dépassement, pour nous permettre d'avancer pour tout le monde local de l'école. Vous remarquez, ça fait vers 2 h du matin. Bon, ça veut dire qu'on a un problème dans toute institution du pays. Je suppose le président lui-même, que je connais, lui-même, il n'était pas pour le parler, le discours était enregistré bien avant. Je suppose ça. Mais bon, comme on connaît pas grand marché dans le pays, maintenant. Ça interpelle tout le monde, Chantal Assounoua d'Abdil, pour nous prendre conscience que le problème n'a allé au-delà du simple président. Que le problème n'a son problème de société, un problème que nous tous gagnons, son bagage n'a fait depuis 215 ans avec 58 présidents mieux, tandis que les États-Unis qui gagnent 243 ans sous 44e président. Donc, nous avons un problème, encore une fois, 15 ans après 2004, n'a demandé pour l'ordre 7. Et puis, bon, nous parlons d'accuser le monde, mais nous avons un problème de légitimité de tous côtés. Si, franchement, nous croyons en démocratie et nous disons que nous croyons en peuple, okay, c'est adjectif que les populaires. Meilleure solution, c'est pour nous chita, pour nous faire la paix. En 1993-94, Dominique Ottavio est sorti dans une crise électorale. Francisco Peña Gómez a accepté son sacrifice pour payer. Si son sacrifice, Jean-Claude, ce qu'on nous a dit là, nous venons pour nous tous chiter ensemble. Nous venons pour chaque monde fermer à Koulpal pour ce rôle que je jouais pour mettre le pays à côté de l'Évrodi. Nous n'avons pas qu'à trop fier, nous n'avons pas qu'à passer nous plus démocrates que l'autre. Nous, chaque bon bagage, reprocher tête. Si je dis, ok, qui, et si vous me rappelez, je veux dire, tu as supposé le 25 septembre. Ça fait 15 jours, ça fait 23 jours l'école ouverte. Si vous ne pas à l'école, avant hier soir, du venard, le saccagé, boulon, business, après, au fin de pile. Il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui besoin de dialyse, qui pas qu'à docteur. Il y a toutes sortes de problèmes. Moi, je crois que pour le moment, ça, mon dépassement pour faire pour nous tous ensemble, effectivement, avec Jovenel Moïse qui est président du pays, qui lui-même tout, gain pour le dire, est-ce que l'élément des peuples à pouvoir, il était pensé que quand il y a aujourd'hui, c'est l'altaï. Donc ça veut dire nous tous, bon bagage pour nous reprocher tête. Moi, je suis pas naïf, même j'ai avec l'an noir, moi, c'est un monde qui croit, okay, contre toute attente, contre toute l'autre logique que l'autre monde gagne. Moi, je crois que les voix modérées de ce pays qui ont pu parler, pour dire, mes amis, quand on fait un recul, on nous fait un chita. Cette fois-ci, nous allons prendre effectivement une mise sous tutelle. Femme d'où que la commission de tutelle des Nations Unies a été en veilleuse. Et je suspecte, après énième difficulté que nous avons démontré, et monde là, que Haïtien pas qu'à gouverner tête, c'est ça que nous avons démontré là.
ni moi-même, ni vous-même, monsieur Dussel, ni tout compatriote qui attendait nous. Ça ne nous pas blesser personne monde personnellement. Ça fait un prendre même avec moi-même comme exemple. Nous, chaque bon bagage nous fait, ou bien bon bagage nous pas fait, qui fait jeudi à 23 jours après l'école ouverte, nous n'avons pas l'école. Son échec total, un échec capital. Ça interpelle nous toutes. Puis il n'y a personne, le réo. OK? Ça aurait encore le bâtiment, il menti pour penser que Jovenel Moïse allait demain, tout le monde va le passer bien, et puis nous allons ensemble, nous allons entendre nous allons mettre un premier ministre. Nous allons mettre un chef de l'État. Et notre transition. Mm-hmm. Nous tous connaissons ça pas possible. Nous tous connaissons cette blanc pour venir manu militari. Le loué citoyen mouille, la vina hélicoptère, et puis tout n'est pas votre courrier, puis blanc propose une solution. Que je dis à 215 ans plus tard, c'est ça l'in à premier dans ton ni, tout ça à premier dans ton ni, pétion à premier dans ton ni. Tout le monde. Femmes et garçons qui bannent l'indépendance, à jour d'hier, nous bien pour devoir, pour nous faire un dépassement, pour nous permettre.